Well, are you ready? Ready? Allez, 5, 4, 3, 2, top départ. Départ très très propre. Gros rythme dès le départ. Une voiture sur deux roues de celle de Sylvain. Sylvain Fauvat. Les deux leaders dans la ligne droite, c'est parti. Est-ce que Cédric va faire la pression? Aïe, elle est entre qui craque. Et s'il vous en profite, si vous inquiétez bien parce que pour faire l'intérieur, il n'y a pas de derrière en embuscade. Sans oublier Thomas, avec sa magnifique carrosserie, Jojo à l'air. Donc toujours Cédric en tête. Oh, petit saut de Cédric. Il en profite, Antoine est parti loin devant déjà, et il y a Fred qui calme juste Cédric. Fred et Thomas juste derrière Cédric, attention, à la droite, ça va être chaud, ça va jouer au moteur, gros moteur pour Cédric. Et il va tirer les deux poussées derrière, et devant, c'est l'autoroute pour Antoine, et Sylvain qui tente sa chance. Voilà, on a Cédric, Fred. Thomas vient de se parcourir à la droite. Attention, c'est un peu chaud au niveau du pif-paf. Antoine qui est pas là. Sylvain qui assure. Cédric est prêt à la bagarre. Et Thomas juste derrière. 1 minute 30 de tour. Meilleur tour en course pour Antoine. 17-0-80. C'est un peu moins rapide. La piste devient peut-être un peu moins performante. Il y a aussi beaucoup de trafic. Le dixième en train de faire prendre un tour. Ça va pas tarder pour le neuvième. Et pour l'instant, ça se bagarre. Effectivement, Fred est passé. Fred a passé Cédric. Et Sylvain tient la pression. Sylvain dans la ligne droite, voiture jaune. Fred, voiture orange. Cédric, voiture verte, grise, jaune. Derrière, il y a l'autoroute. Thomas a un peu lâché. C'est dommage. Voilà, ça va devenir très compliqué pour la deuxième place. La pression de Fred va maintenant se porter sur Sylvain. Mais Cédric est juste derrière, attention, grosse attaque de Fred. La partie technique, ça glisse. Voilà, il va sur le même comportement. Même moteur de l'eau. Il y a que le pilotage, il n'y a plus. Et voilà, c'est que dans la tête. Il va falloir tenir la pression. Attention, on est sur les attardés, merci, merci, et merci. Ah, faute pour Sylvain, c'est dommage. Allez, c'est reparti. Premier tour, Antoine est en tête. Antoine est loin devant. Antoine tourne en 16-820. Ah, petit faute d'Antoine. On l'avait oublié. Tellement il est loin. Fred, Cédric et Sylvain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur Olivier Lampé, le constructeur du 44. Après, qui est difficile à suivre. Sylvain s'accroche, mais le rythme est soutenu. Ah, Cédric à l'envers, c'est dommage. Ah, une petite glisse pour Sylvain. Antoine, on ne sait même plus où il est, tellement il est loin. Et à 8 secondes, 6 d'avance, une autoroute. Hop. Aïe, 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 c'est cassé, c'est fini pour Cédric. Un petit accrochage entre Cédric et Sylvain. Certainement pas volontaire. Parce que Sylvain a parti dans son dernier mot. Il revient sur Fred, tout ce petit coup de Fred. Sylvain est juste derrière. Ça chauffe. C'est chaud pour les fesses de Fred. Il est déjà tout rouge. Aïe, 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 Sylvain. Alors j'ai vu une voiture volée. Ah oui, c'est bien ça. Antoine est en train de mettre un tour après.
c'est la punition. Je ne sais pas si on peut le prendre, mais ça marche bien. Hein. Alors que je suis en train de vous raconter une grosse bêtise. C'est Frédéric qui est en tête. C'est Frédéric qui finit premier. Hein. C'est fini pour tout le monde, sauf Frédéric. C'est Frédéric qui est premier. J'ai pas tout suivi là. Il manque un tour en Antoine. Ah oui, on est sorti là tout à l'heure.